Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Morir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Sarah Bat Chana Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que l'Urfouat, Sarah Bat Beti Rivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée de sa communauté éternelle, nous étions à Sechet Menachot, Parikut Bet, Mishnah Gimel. Hare alay mincha mina seorim yavi mina chitim kemach yavi solet belo shemen ulvona yavi ima shemen ulvona chatzi isaron yavi isaron shalem isaron umechtza yavi shnaim. Rabbi Shimon poter shelo itnadev kederech hamitnadvim. Mishnah simple, le principe est très simple, ça ressemble un petit peu à la Mishnah précédente, en la mesure où on continue à parler de quelqu'un qui prononce un vœu, cette fois-ci qui prononce un vœu mais qui n'est pas adapté, c'est-à-dire il va faire le vœu d'apporter un korban, mais il choisit une option qui n'existe pas. Que concrètement, s'il veut apporter le korban ou la mincha qu'il veut apporter, il doit l'apporter autrement de ce qu'il a prononcé. Et le principe de la Mishnah, on va avoir une marloquette. Tanakama va nous dire, mais écoute, c'est pas grave, on va utiliser tes paroles, ton vœu, pour te dire que finalement tu vas devoir apporter la chose comme il se doit. On exprime ça à travers les cas de la Mishnah. Are alay mincha min aseorim. Quelqu'un, il a fait le vœu d'apporter une mincha min aseorim. D'apporter une mincha, une oblation, mais de farine d'orge. Yavi minachitim, et bien il devra apporter une mincha de blé. On a un exemple type. Donc au Beit HaMikdash, ça existe d'apporter des oblations de blé et des oblations d'orge. Les oblations de blé, en général, la plupart, toutes les minachot en général, c'est toujours du kemachitim. À quelques exceptions près, concrètement, je crois qu'il y en a deux, mincha tseorim de mincha taomer, le 16 Nissan, on doit apporter cette fois-ci de l'orge, et une deuxième fois pour la Minchat Kenaot, l'homme qui avertit sa femme de ne pas s'isoler, qui la met en garde, et qu'elle s'est isolée, la sota. D'accord ? Donc elle a une Minchat spéciale d'apporter des Seorim. Je crois que c'est les deux seuls endroits dans toute la Torah où ça existe d'apporter une Minchat Seorim, une oblation d'orge. Tandis que toutes les autres Minchat, elles sont de blé. Là, dans notre Mishnah, on a quelqu'un qui a voulu faire un don, il a dit oui, je vais faire cadeau à une mincha d'orge. Et il s'avère que quand il va voler le Beit HaMikdash et dire bon, je veux accomplir mon vœu, on va lui dire mais ça n'existe pas une mincha d'orge. La mincha en scène, tu sais quoi, tu apporteras du chitin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme ça, on va interpréter son intention. Réellement, il a voulu prononcer un vœu de la meilleure manière. Le pauvre, il ne savait pas que qu'il fallait apporter du blé, il était ignorant. Il a fait une erreur, mais concrètement, on va retenir l'essentiel de sa parole qui veut, malgré tout, faire un don d'oblation de blé, d'oblation, pour lui dire, c'est pas grave, ton vœu, tu l'as fait, mais tu vas l'accomplir avec du blé. Puisque, t'as dit autre chose, mais t'as pas été exclusif que ce soit que de l'orge et pas autre chose. D'accord ? Donc finalement, on va retenir ta parole, on va dire que ton vœu que tu as prononcé, il est quand même bon. On apportera après plusieurs détails très intéressants exprimés par le Tosfot Yom Tov, mais d'abord, vous avez compris le principe. Donc, je recommence. Je fais un vœu d'apporter une chose, mais je la prononce en disant que je veux l'apporter selon la mauvaise option, qu'il n'y a pas d'option pareille de l'apporter dans la Torah. Alors, on va utiliser mes paroles pour les retenir, pour dire, bah, fais au moins le minimum. D'accord ? Fais au moins c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir. Accomplis malgré tout ta parole de la manière permise. Même principe encore. Il a dit, Kemar, il y avait Solette. Il a dit, je vais apporter de la farine et... Eh bien, il devrait apporter de la solette. Toutes les ménachotes, en général, on a programmé du kémar. Le kémar, c'est quand c'est complètement moulu. On a pensé qu'il y a un petit peu au-dessus, c'est le grain moulu, mais qui est un peu plus épais. C'est de la semoule, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est la même semoule que nous, de la semoule fine, je ne connais pas exactement dans les détails concrètement. Nous, aujourd'hui, on ne fait presque plus rien avec de la semoule, si ce n'est que du couscous. Je crois pas, je crois qu'il y a certains gâteaux tunisiens un peu avec de la semoule, mais de manière générale, je me demande est-ce que ça gonfle, est-ce que ça monte de faire avec de la semoule, je sais pas. En tout cas, concrètement, au Beit HaMikdash, je vais apporter la solette. Lui, il a dû faire, je vais apporter une kémar, de la farine. Et il va aller au Beit HaMikdash, on va dire, non, ça n'existe pas d'apporter une minchat de la sorte. Tu vas devoir apporter forcément solette. Alors, il apportera solette. D'accord? On va, même s'il a mal prononcé le vœu est quand même en vigueur, il a fonctionné. Belo shemen ulvona, il a dit, je vais faire un vœu, je vais apporter une mincha sans huile et sans levona, l'encens qu'on ajoute sur la mincha, avec la mincha. Et concrètement, c'est vrai que ça existe des menachot sans shemen et sans levona. Il y en a plein des menachot, on les a déjà un petit peu évoqués. Par exemple, on a parlé de la mincha de Kenaot, là-bas il n'y a ni huile, ni levona. On avait une Mishnah en haut dans le Perek Hé, je crois, le cinquième Perek,
qui nous disait que voilà la menachot où il faut porter le shemen et pas la levona, la levona pas le shemen, les deux ni rien. Là-bas, il y avait plusieurs mishnayot. D'accord. En tout cas, celui qui fait un vœu d'apporter une mincha, il doit nécessairement apporter de la semoule, de blé et ajouter dedans de l'huile et de la levona, dans le sens. Et lui, il a dit non, je vais apporter sans la levona, mais il n'a pas été exclusif. Il croyait que c'est comme ça qu'il fallait faire, qu'il avait le choix. Il a dit bon, je vais l'apporter. Après, quand on lui dit mais non, un particulier n'a pas la possibilité d'apporter une mincha sans shemen et levona, t'es obligé d'apporter avec. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas dire que toute sa parole s'annule, on va dire non, au contraire, on retient ta parole et on va l'adapter comme il faut l'apporter selon les règles de l'arbre. D'accord ? Idem encore, Khatsi Saron, il a dit je vais apporter un demi-Isaron. Or, ça n'existe pas, on avait déjà appris que des mesures de Isaron. Tu peux apporter deux Isaron, trois Isaron, mais en tout cas, une mesure entière d'un Isaron. Il lui a dit je vais apporter un demi-Isaron. Et bien il y a vie, Isaron Jalem. Il devra apporter un Isaron entier. Isaron, vous rappelez la quantité ? Asirit Haefa. Isaron, ça veut dire un dixième. Un dixième de la Haefa, ça correspond au Shiur Chala de chez nous. 1,650 kg, 2,225 kg. Selon, il y a plusieurs avis à partir de quand on prélève avec Bracha et tout ça. En tout cas, après il continue. Isaron Omerta. Il a dit tu vas apporter un Isaron et demi. On est en train, c'est pas d'apporter deux demi-mesures. Tu apporteras deux. Yavi Shtaim. Ok, principe est clair. On va d'abord découvrir Rabbi Shimon, et puis après on viendra, on apportera une précision très intéressante qui est explicité dans tout ce Yom Tov. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon lui dit dans tous ces cas-là, il sera dispensé d'apporter une mincha. Le vœu n'a pas fonctionné. Tu as prononcé que des bêtises, tu as dit que tu allais faire un korban de chaussures au Beit HaMikdash. On ne va pas dire que on va retenir un korban, mais que tu vas apporter autre chose que des chaussures. Tu as dit un korban de chaussures, c'est des ch'touyot, ça n'a pas de sens. Ta parole, elle s'annule. C'est le principe que nous dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dispense d'apporter dans toute, il le fait sur toute la Mishnah. Quel que soit le cas, tu as dit des bêtises, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ? Car il n'a pas fait son offrande, il n'a pas promis son offrande, comme il est d'usage chez ceux qui offrent des offrandes. Il a prononcé des bêtises, tout simplement. C'est l'avis de Rabbi Shimon. D'accord ? Et le partenaire nous apporte. Bigmar, Dvarav, Adam, Nitpas. Il y a une règle. Peut-être qu'il faut. Il manquait un petit peu une petite introduction en réalité. C'est une notion qui est explicite dans Nedarim. Quelqu'un qui parle, qui prononce un vœu de faire quelque chose, il est engagé par sa parole. Mais c'est que s'il a prononcé. S'il a voulu prononcer mais qu'il n'a pas exprimé, eh bien, il ne s'est pas engagé par sa parole. La parole, elle engage, ce n'est pas l'intention. C'est l'intention avec la parole. D'accord ? C'est important de bien comprendre qu'il faut qu'il y ait nécessairement des mots qui prononcent. C'est-à-dire que si j'ai voulu faire un don de donner 100 shekels au Beit HaMikdash, et j'ai fait le don de donner 100, et au lieu de dire shekels, j'ai dit carottes, eh bien, je dois ni des carottes ni des shekels. Parce que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas pensé, ce que j'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Il faut prononcer ce que tu penses. C'est une grande règle, un grand principe. Donc du coup, quand on étudiera Bezrat Hashem, qu'on arrivera à la Masechet Nedarim, on va parler des vœux, on va beaucoup s'intéresser à savoir est-ce qu'avec les mots que tu as dit, ça contient ce que tu as voulu exprimer. Et si c'est que ça ne contient pas ce que tu as voulu exprimer, même si tu avais l'intention de le faire, ça ne marchera pas. D'accord ? Le principe est clair. Nedarim, c'est « Kechol ha-yotse mipi v'yaseh » comme ce qu'il a dit avec sa bouche, mais il faut que ce soit qu'il ait dit avec sa bouche, avec toute sa tête et toute sa bouche qu'il a exprimé, sinon il n'est pas engagé. Grande règle. D'accord ? Vous allez entendre sûrement le principe de ce qu'on avait appelé Yadot Benedarim, est-ce qu'il a dit suffisamment de mots ? S'il a dit une demi-phrase, est-ce que ça suffit déjà pour contenir tout le reste de la phrase ? Il y a plein de sougyotes comme ça. C'est la grande sougyote, les grands sujets de la Gemara qui parlent de définir la parole. C'est important. Maintenant, je reviens sur notre Mishnah. Le gars, il nous dit une phrase, mais qui n'a pas de sens. Alors là, Rabbi Shimon te dit, écoute-moi, ta phrase, tu as voulu faire ça. Ça, tu as voulu apporter une offrande, une oblation d'orge. C'est une phrase bidon. Elle n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. De ce fait, à la poubelle. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Adam nitfas bigmar dvarav. Même la fin de sa phrase, l'homme, il est... Je ne suis pas très dur les mots, je n'ai pas les mots. Bigmar dvarav, Adam nitfas. L'homme, il se fait attraper sur la fin de sa phrase. Sur toutes ses paroles. Sur tout ce que tu as dit, on prend le tout et on essaie de lui donner un sens. Et si on ne réussit pas à lui donner de sens, donc tu n'as rien dit. C'est la vie de Rabbi Shimon. Chachamim, alors, Tosfos Yom Tov nous explique que, dans le fond, ils sont plus ou moins d'accord. Mais pas toujours. Je m'explique. Il rapporte un cas, par exemple. Vous savez bien qu'un nazir, c'est quelqu'un qui fait le vœu de ne pas boire de vin.
Lui, il a fait, il a été mitnazer, il a dit, je vais prendre sur moi la nézirut de ne pas manger de figues. Alors, dans un cas pareil, c'est explicite dans une Mishnah de Nazir. Il n'a rien fait, on ne va pas dire que tu es un Nazir de vin, parce qu'au pire, ça ne marche pas pour les figues. Là, Mahout, la définition du Nazir selon la Torah, c'est que tu vas t'éloigner du vin, du raisin, de tout ce qui est lié au vin. Ça n'existe pas de Nazirut pour les figues, même si on peut faire de la boucha. D'accord? Ça n'existe pas d'être Nazir, tu peux faire un vœu, mais en tout cas, pas la Nazirut. La Nazirut, c'est quelque chose de spécial que tu vas prendre sur toi de t'élever en t'éloignant du vin. Là, donc ça n'existe pas. De ce fait, il y a la Mishnah, elle nous enseigne clairement là-bas, celui qui fait le vœu d'être Nazir, de ne pas consommer de figues, il n'a rien dit. Toute sa phrase, elle s'annule. Ça, c'est d'après tous les avis, même d'après Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui est insensée. Là, dans notre Mishnah, spécifiquement, Chachamim reconnaît que ça marche, étant donné que ce qu'il a prononcé, ce sont des choses qui existent au Beit HaMikdash. Il pensait, lui, qu'il pouvait même lui-même les apporter. Mais c'est des choses qui existent. Ça existe d'apporter une offrande d'orge. Ça existe d'apporter une offrande qui n'a pas de Shemen et Levona. Pour le Kemar, je ne sais pas. D'accord? Une petite question, c'est pas tellement clair. Mais j'ai pas vu qu'on soulève la question. C'est pas grave, on retient le principe qui nous explique tout ce Yom Tov, il n'y a pas de problème. Donc, ça existe d'apporter des offrandes pareilles. Donc, quand tu as prononcé cette phrase, tu as voulu apporter une offrande en pensant que tu avais cette option-là, que tu pouvais piocher cette carte, d'apporter orge, d'apporter sang, huile. Ce sang va dire non, tu as voulu faire quelque chose de vrai, de juste, qui existe. Tu as prononcé une offrande qui existe, donc tu as voulu t'engager. Concrètement, tu t'es trompé, tu as pioché la mauvaise carte. Alors, on va t'aider, on va te dire prendre la carte d'à côté. D'accord? Mais donc, il n'y a pas une contradiction frontale entre ce que tu as dit et ce que tu as voulu faire, dans la mesure où ce que tu as prononcé, c'est aussi une forme de mitra qui existe au Beit HaMikdash. À la différence de quelqu'un qui dit des réels balivernes qui n'ont aucun sens, de dire que tu vas être nazir des figues, ça n'a strictement aucun sens. Donc, dans ce cas-là, toute ta phrase t'annule, comme ce qu'ils ont fait dans Rabbi Shimon, même Rami, ils sont d'accord dans ce cas-là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.